Bon là ce soir je suis calme parce que le jeu en fait j'avance en mode mécaniquement parce que... Comme maintenant je le connais, c'est tout chaud dans ma tête. Je suis en normal donc à l'aise. Ça, ça va être une phase dans mon difficile, ça va être terrible. Hein. Ça va, j'ai géré. Quarantaine levée. Journal d'intervention de Copie sur mon terminal sécurité. J'ai plus utilisé les trucs de lancer que la dernière fois. Montrer le flux vidéo de... Remarquable de voir enfin ce que j'ai cherché toute ma vie. Les mineurs. Cette transformation, il défie la mort elle-même. Cain fait preuve de prudence. Sa foi a été ébranlée par ces nécromorphes, comme ils les appellent. C'est étrange. Alors que ma propre foi a été si richement récompensée. Avec ou sans Cain, je dois étudier l'une de ces créatures. Ou ce qui s'en rapproche le plus. Le patient de Brennan, par exemple. C'est moi. Journal personnel de la docteure Nicole Brennan. Avec les médicaments et les traitements par zéro gravité, l'état du patient Harris s'améliore. Si ça continue, l'espoir est permis pour les autres sur Aegis 7. Mais le docteur Mercer continue d'interférer. Selon lui, les délires d'Harris sont significatifs sur un plan religieux. Si je dois déposer un recours, je le ferai. Je ne perdrai pas un patient pour des histoires d'unitologie. Plus jamais. Recherche de signal de Rig, docteur Nicole Brennan. Localisation de Rig, non concluante. Recherche manuelle de Rig, disponible. Eh, nom de Dieu, que se passe-t-il ici? Précisément ça. L'œuvre de Dieu. Comment peux-tu dire ça? C'est mort à la colonie. La paranoïa, les allumés. Ouais, avance. Oh.
Pas de points, eh ben on avance. Allez. Il y a une porte niveau 3 ici. Tellement ridicule. Ils sont ici quoi ces monstres, tiens? Des rats qui se transforment? Je pense que j'aurai pas longtemps ce soir. Hein. Daniels ne répond pas au lien Rig. Vous en êtes où? J'ai trouvé un défibrillateur à utiliser sur la barricade. J'y retourne maintenant. Attention à la tension sur cet appareil. Je veux perdre personne d'autre. Pardon. On voit que t'as un casque parce que je ressens les monstres derrière toi. Putain, comment j'ai pas de stress en fait maintenant que tu connais le jeu. Oh oui, ça... Putain, le stockage, hein. Ça fait bam bam boum. N'oubliez pas de chercher le corps du capitaine Matthews une fois dans la morgue. Récupérez ses codes rigués et on aura accès à l'ordinateur. Oh, ma ration de capteur placement, mais c'était gratuit. Habilitation de bâtard. Sécurité requise.
pas faux. Habilitation de sécurité de niveau 2. On s'en rappelle. On s'en rappelle ça. Tac, 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 on se barre. Venez nous aider. Regardez ces blessures. On ne peut pas gérer autant de cas aussi graves et le commandement ne veut rien nous dire. Il convulse. Journal médical, Dr Nicole Brennan. Bien fait de paranoïaque. J'utilisais cette salle pour diriger des séances de conseil sans que les unitologues n'interviennent. Maintenant, c'est le seul endroit où je me sens en sécurité. J'ai récupéré un morceau de corps de l'attaque d'hier. Génétiquement, c'est une tissu humain, mais il a subi des transmutations. Mais c'est qu'un échantillon. C'est pas suffisant pour un relais. Attendez, où est passé le rapport de l'ingénierie? Ah, voilà. Les ingénieurs ont retiré quelque chose de leur machine. Il y a des membres, le buste est intact. Bon. Comme par hasard quand on éteint la lumière. Fuis ici. Habilitation de sécurité requise. Yeah, salut Joker. Comment ça? Je vais bien. J'ai le seum, il y a une game plus qui a bugué. Du coup, tu lances une game plus et en fait, il m'a relancé ma dernière sauvegarde du mode difficile que j'avais. Et du coup, j'ai refait le boss final. Parce que du coup, je pouvais plus. Ma nouvelle partie plus avait disparu. J'ai refait le boss final et tout. Je fais ok, bon. Je relance. Le truc, il rebug. Relance encore dans le dernier niveau. Enfin, ma dernière save. J'ai pété un pont et à un moment donné j'ai fait bon vas-y nique tu sais quoi. En attendant qu'il fasse un patch ou je sais pas quoi ou que je reteste avec une autre save. Je vais je fais le jeu en quelques heures. Cool ça. Du coup là je suis en mode normal. Et le mode normal rien à voir avec le difficile. Mais il y a un monde entre les deux difficultés. Demande de sécurité retrouvée. Là j'ai l'impression que mon cutter plasma est amélioré à fond en dégâts. Dans la version difficile. Ouais, c'est ça. Ma l'arme de base du début de jeu en fait. Je commence à mettre un chauffage parce que je commence à avoir froid. Mercer, tu t'es radical. Tu étais au bloc alors que j'étais en route. Tu pourras être. Je viens de recevoir le dernier rapport du Gistret. Ce qui veut dire que c'est le dernier avec cette créature. 40% de la population en colonie a tous des symptômes à présent. Dépression, hallucination, excès de violence. Des gens
Ouais, il y a vraiment un monde. Sur les dégâts que tu reçois, que t'envoies entre le normal et le difficile, c'est ouf. Hein. Je suis en train de me dire, mais mode facile, tu one shot. Attends, mode facile en deux balles, t'as tué un mec, mais en mode d'histoire, quoi, tu one shot les monstres? Parce que t'as mode encore plus facile que mode facile. Je te laisse montrer cette belle scène. Tu l'as pas vu, je crois. Non, en fait, la partie d'avant, j'étais en difficile. Et là, je suis en normal pour le cutter. Et il y a un gouffre de difficulté entre le normal et le difficile. C'est le mode normal, c'est, j'ai l'impression que genre facile là. Le jeu en utilisant uniquement le cutter à plasma. Pas mort. Putain. Isaac, au rapport. Vous avez les rigs du capitaine? Eh merde! Je transmets les codes maintenant. Je l'ai vu, Amand. Un qui volait a changé le cadavre du capitaine en un de ces trucs. Il a dû arriver la même chose à Chen. Merde! Peut-être que l'ordinateur de commandement contient quelque chose. Ah, où est Daniels quand on a besoin d'elle? Retournez au poste de sécurité, c'est plus sûr là-bas. Au moins, je pourrais augmenter votre habilitation. Habilitation confirmée. Du coup, les portes cachées où on a des armes et tout, des aberrations d'armes. Plus besoin d'aller les chercher.
Je suis là. Qu'est-ce qui se passe, bordel? L'ordinateur affirme que les moteurs de l'Ishimura sont HS. Nous sommes en orbite descendante vers Aegis 7. Oh putain, je dois atteindre la zone d'ingénierie. On n'a pas le temps, cette station de tram est hors ligne. À moins que... Là, retournez au pont de lancement, je vous guiderai de là-bas. Si ce rapport de dégâts est exact, il y a un raccourci pour l'ingénierie. Et j'ai aussi un succès, faut que je remette 25 objets dans les coffres. J'ai un sonicateur de plasma, ça. On garde les 20 000 pour la prochaine amélioration. L'armure. Quoique après, première amélioration de cutter. Alors, globalité. Ouais, on a connu pire. Ils sont pas tous simples, hein. Il y a le mode impossible à faire. La nouvelle partie plus. Toutes les améliorations qui prend un peu de temps. Les 30 000. Ça, c'est à la fois facile parce que le cutter, ça va, c'est une arme. La plus chier, c'est la. Je trouve une des plus efficaces. Donc ça va, tu vois. Collecter tous les plans. Ah, j'avais pas collecté tous les plans. Oui, il y a un truc de sang que j'avais pas collecté. Alors, ça, par contre, je comprends pas. Arracher un membre pendant. Arracher un membre pendant. En utilisant la télékinésie. Ça, j'ai pas compris. Ça veut dire qu'il faut que j'affaiblisse son membre et que je l'arrache avec la télékinésie pendant qu'il est encore sur lui. Ça, par contre, j'ai pas compris. J'ai écrasé plein d'ennemis. Et pourtant, ils aient toujours pas. Pourtant, je n'ai fait plus de 10. Améliorer tous les équipements au maximum. Et après, c'est. La. Putain, il y avait la fin secrète. Qui doit correspondre du coup. Ah non. Il n'y a pas tant de monde que ça qui a fait la nouvelle partie plus. Ouais, on verra. Bon, un peu plus des derniers succès. Je crois que c'était la fin secrète. Pont de lancement, salle des commandes. À part le mode impossible, ouais, par rapport à d'autres jeux, c'est quand même simple. Pont de lancement, salle des commandes. Ah là là là. Le jeu me dit d'aller là-bas. Attends, je suis con, je viens de le voir le magasin. Ah non, pendant qu'il pointe, tu peux pas le défoncer avec les bras. À moitié, elle est finie, les technicien en l'arrachant direct. Ça me casse dessus. Bah, moi, c'est ce que je pensais, l'affaiblir. Essayer de l'affaiblir. Affaiblir et tout, tu sais quoi, le prochain monstre, je le fous en stase et on va tester. Confirmé.
suis bloqué là. Bah non, vite. Mais je suis en train de retourner au pôle médical. Et de toute façon j'avais une porte à ouvrir ici, ok. Je suis pas allé là pour rien en tout cas. Je l'ai bien arraché là. Bon, je regarderai un tuto, hein. Après le stream, je regarderai un tuto. T'as vu, j'ai testé hein, 2 balles pour le découper, du coup tu te dis, allez tu tires une fois et tu essaies de l'arracher, ou ça veut dire, ou faut que je le découpe un membre et que j'utilise son membre pour le tuer. Non, ça c'est déjà été fouillé ça. Sinon putain d'aléatoire. Amélioration de Kater, donc je refouille tout. Habilitation confirmée. Parce que là, je t'avoue que le seul truc qui m'intéresserait. J'ai l'air d'avoir ouvert tous les niveaux, hein.
Il est pas sur Xbox. C'est une excuse PlayStation. Ouais, ça fait partie des jeux Square Enix qu'ils gardent sur leur poche, quoi. Non, évidemment que je l'ai racheté. Ouais. Là j'ai l'impression que ça va arriver un jour, hein. C'est l'impression que j'ai, hein. C'est là Square Enix, ils ont vendu plein de trucs de chez eux là, les Crystal Dynamics et tout, ils ont tout vendu, tu vois, pour être le moins cher possible pour se faire acheter par PlayStation. Moi c'est l'impression que j'ai, hein. J'ai l'impression qu'ils vont Square Enix à force. Ah, c'était ironique quand ils disaient qu'il est super. Ah bah d'accord. Ouais, dans tous les cas. Bon, je peux pas me le prendre. Mais moi ça va, ça pue le jour où. PlayStation vont acheter Square Enix. Hein. Je le sens bien gros comme une maison, ça. Sauf que Square Enix, c'est beaucoup de Nintendo aussi. Ça me paraît très bizarre. Bah ouais, tu sais, on a acheté Bethesda, PlayStation, bon, avec leurs moyens qu'ils pouvaient, ils ont acheté Bungie, pour dire, on a acheté les créateurs de Halo. Ça m'a fait rire, ça. Par contre, le jour, alors il y a un monde. Je me dis, mais là, vu tous les achats, ça va se calmer. Il y a un monde où je me dis, comme Xbox, ils veulent choper un peu le public japonais, et que le meilleur moyen, c'est avoir les JRPG, tu vois. Alors, soit Sega, soit peut-être Square Enix, tu vois. Ce serait tellement marrant. Il ferait, tu vois, que Xbox dise oh, on achète Square Enix, et bah je serais plus heureux de ça que Activision, quoi. Je vais l'ouvrir tout de suite cette zone. Ouais, la FTC qui font chier, les trucs européens. Apparemment, le Phil Spencer qui est plus confiant depuis 2023, enfin, en ce moment que tout le monde du 2022 pour l'achat. Moi, je t'avouerais que si l'achat se fait pas, pour Activision Blizzard, ça me fait ni chaud ni froid. Voilà, moi, le plus. Bien acheter Bethesda, pour moi, c'était déjà ouf. Enfin, c'était plus intéressant déjà. Mais Activision Blizzard, bon, voilà. Ouais. 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 On va voir World of Warcraft sur Xbox. Overwatch, ouais, ouais, bof. Diablo 4, bon bah j'ai pas trop joué au 3 et au 2. En vrai, ça fait chier qu'ils rachètent des studios, qu'ils ont créé des nouveaux, mais qu'ils laissent les autres tranquilles et que tous les joueurs puissent en profiter. À côté, c'est vrai. Habilitation de sécurité de niveau 3 requise.
Après, ça va que tous les jeux Microsoft sur PC, tu peux y jouer. T'as une Xbox Series pas cher. Nintendo. Ah putain, t'imagines qu'à la base, quand Xbox voulait créer. Avant qu'ils créent la Xbox, donc Microsoft, ils voulaient s'associer avec Nintendo. Ils disaient, ouais, nous on va créer les consoles et vous les jeux. Nintendo les a rayonnés, il a fait ouais, dégager. T'imagines un monde où la Switch marchait pas et du coup Nintendo ils arrêtent de faire des consoles. Un monde où Zelda sort sur Xbox et PlayStation. Ce sont tellement marrants. T'imagines un Zelda avec les graphismes comme ça, tu vois? Ouais. Là, un peu comme ces gars, du coup, ils ont dû leur cul en mode bon, bah vas-y, on sort Sonic chez Nintendo! C'est quoi, c'était Sonic Adventure 2 qu'ils avaient sorti en premier sur GameCube quoi, c'est ça? Leur premier jeu Sonic chez Nintendo, ça m'avait fait rire. Je suis là, bah oui, tiens. Évidemment. J'ai eu un micro bug. D'une zone en zéro gravité. Ah, mais l'histoire de gravité doit faire tellement le bordel dans le jeu. On aurait vrai vide. Tu mets en gravité 0. Tu fous la merde en vrai, ouais. Habilitation confirmée. J'ai du mal à croire qu'avec ça. Il y avait vraiment que dalle. Oh, c'est pas bientôt la zone du lance-flamme là. Un chargement de 4 millions de tonnes. Sans les moteurs, il va nous entraîner vers la planète. Vous pouvez y arriver tout seul?
Ouais, réparer la centrifugeuse, remettre du carburant et redémarrer tout ça. Mais vous devrez stabiliser notre orbite à partir de là. Je me tiens prêt. Faites vite, Isaac. Il y a un monde où on serait venu le lendemain. Il serait déjà craché, quoi. Ah, faut l'acheter. Et après le dernier, on le trouve. Et après, il n'y a plus que les tenues à acheter à chaque fois. Et dès qu'on a toutes les tenues... Ouais, je me mets en tête le prix qu'il me faut à chaque fois. Ah, il y a le découpeur, c'est le découpeur avant lance-flamme. Non, on ramasse pas. Alors ça, par contre, on ramasse. Ça se vend. Enfin non, ça va stocker et après ça va se vendre. C'est vrai que j'y pense. Alors, c'est ce coffre-là que j'ai jamais ouvert. Tu m'as dit plusieurs fois, tu comptais prendre une PS5 pour FF16, c'est sûr, c'est une éventualité. Une éventualité! Pas encore! Alors, à tout moment, je peux craquer. Alors, elle est bien. Eh, Crazy Discord, je sais même pas si je vais y retourner. Hein. Rapport d'autopsie, Dr. Nicole Brennan. Le Crazy Discord m'a tellement déçu. D'une force. Le sujet a été démembré après être tombé dans une installation permettant. Là où je suis le plus dégoûté, c'est qu'à l'époque on me disait ouais, Crazy Discord, Masterclass, oh putain, c'est trop bien et tout. Quand j'y joue, et en fait, quand j'entends ça, des fois je me méfie. Hein. Oh, bon, tant mieux là. Par contre, Ghost of Tsushima, enfin tous les trucs un peu médiéval asiatique, ça m'attire pas.
Ouais, je sais, bah, de toute façon, quand c'est Shima, je pourrais. Par un des jeux, je le prendrais pas si j'ai une PS5. Parce que. On m'attire pas, quoi. Ouais, non, mais ouais, je regarde beaucoup de mangas, mais dès que c'est médiéval asiatique, ça. Ouais. Non, même pas. Les boss sont intéressants. Quand j'ai affronté un boss, je kiffais ma race. Hein. J'ai fait waouh, le boss et tout, tu vois. Il te déglingue la gueule, tu fais ok, vas-y. On va essayer de dégommer et. J'ai fini avec les balles, chef. Mais en globalité, quand t'as un monstre, comme le jeu n'est pas maniable, qu'on te saute dessus en nombre et qu'on te casse la gueule si facilement, la maniabilité du personnage en globalité, c'est tu fais ouais, ouais, non. On fait quoi? Quelqu'un devait bien avoir une carte d'accès générale, va voir si. Attends, t'entends ça? Pourtant les combats de boss j'ai pris mon pied, tu vois, j'ai kiffé chaque combat de boss que j'ai fait. J'étais en mode ouah trop bien, tu vois, c'est un peu de difficulté sur les combats de boss, tu vois, comme c'est du 1 contre 1, tu vois, tu fais ok ça va, tu vois, ça passe. Mais dès qu'il y a trop d'ennemis et tout, et si donjon, t'es en train de toucher mais en fait via un bug parce que t'es un mec qui t'a touché, du coup ça t'a stone. À un moment donné j'ai fait aller vous faire foutre. Isaac, Amand. Daniels, tu es en vie. Dieu merci. Après le pont, on a cru. Ravi de vous décevoir. Je me suis réfugié dans le centre informatique. Je les entends, mais ils doivent pas savoir que je suis là. Isaac, j'ai localisé ton rig. T'es pas loin des machines. Je vais me donner les droits administrateurs. Je peux peut-être aider. Bien, le jeu me dit d'aller là. Qu'est-ce que j'ai encore zappé? Ah oui, c'est vrai, c'est là qu'on a le choix entre t'enlèves l'oxygène ou t'enlèves les lumières. J'ai changé de maçon. Bah, moi je vais pas tarder à y aller, je pense. Je suis un peu fatigué de ma journée de taf là.
En fait, la première journée de la semaine, c'est à chaque fois c'est le plus fatigant. Hein. Prochaine salle, j'arrête. Ah c'est bon, t'as arrêté, ouais, c'est ça que tu voulais dire. Ok, je vois le niveau de carburant. C'est rempli au quart, mais ça devrait suffire. Je dois faire fonctionner la centrifugeuse avant de redémarrer. Quelqu'un a vraiment bousillé ses arrivées de carburant. Faites vite, Isaac. Les systèmes se rapprochent à toute vitesse. D'accord, ok. Voilà, attends, il y a un truc de... Non. Tire si loin de ça. Ah ouais. Oh bah ça va être fun. Je peux penser à cette sèche. J'ai tué déjà tout le cadavre. Écoute, j'ai l'air de bien me porter. Ouais, je vais m'arrêter là, je vais carrément. Hein. Je commence à fatiguer un peu. Demain, il y a des chances que je stream pas. Parce que demain je finis tard et le lendemain je commence tôt. Donc je vais te faire claquer. Donc ce sera un live, un gros live du coup. Mercredi soir je pense. Ouais, à la prochaine. Salut.